On est avec notre ami Marc et Renaud. On est toujours en train d'utiliser nos fameux box là, le pentatonique, pour commencer à improviser relativement simplement sur un backing track qui s'appelle toujours, hein, c'est toujours le même, Pink Floyd Style Backing Track. Alors, on tourne. Il y a quatre accords hein, dans ce truc là. Pardon, si mineur. La. Sol. Mi mineur, si mineur, comme indiqué d'ailleurs sur le, la, je ne sais pas si on le voit ici, sur le backing track, on voit les quatre accords. Celui qui nous intéresse, c'est le premier accord, le si mineur, et si on veut phraser sur le si mineur, la penta qu'il faut utiliser, c'est le premier schéma au départ de la septième case. Voilà, et pour l'instant, on va phraser sur deux cordes. Sur la cinquième et la quatrième corde. Corde là. Et corde ré. Et on va phraser de trois façons différentes. Des montées. La première phrase, c'est deux montées avec une cible. Et la cible est ici. Hein. Portrait, 9e case sur le 3e doigt. Deux montées, une cible. Voilà, on va utiliser cette même phrase et on va la répéter pendant un cycle complet de 4 mesures. Ok ? Ensuite, une fois que ces 4 mesures-là sont terminées, 4 nouvelles mesures sur uniquement des descentes. Alors la phrase, 2 descentes plus une cible. Descente plus une cible, ok. Donc de nouveau, on répète tout ça sur 4 mesures, sur un cycle complet, et on termine par la dernière phrase, une montée, descente, montée, cible. Montée, descente, montée, cible. Ça va, c'est compris? Allez, on y va. Normalement, ça, il faut l'expérimenter sur tous les groupes de deux cordes. Pas se tromper, parce que la cible est chaque fois différente. Hein. Et ça, on a développé ça dans le cours précédent, donc je ne vais pas faire une vidéo d'une heure. La seule chose que j'ai oublié de préciser, c'est que la fois dernière, on jouait des croches. Cette fois-ci, on joue des doubles croches. Donc, dans le débit des notes, là, on est plus cohérent par rapport à l'original. Ok ? Voilà.